Bonjour, on va continuer à s'entraîner à travailler avec les diagrammes à points, mais cette fois-ci on va regarder une série statistique où les données sont parfois des données exprimées sous forme de fraction ou sous forme décimale. Donc il va falloir faire attention à ça. En tout cas, on nous dit que ce diagramme à points représente les longueurs en centimètres d'un certain nombre de chenilles. Donc voilà le diagramme à points. Donc déjà ce sont des centimètres. Donc ici, les, tous les nombres qui sont donnés là sont de, des centimètres. Et ce qu'on peut lire ici, c'est qu'il y a par exemple deux chenilles, ces deux chenilles-là, qui sont représentées par ces deux points, mesurent 4 cm de long. Et puis par exemple, ici on a... Le diagramme nous dit qu'il y a trois chenilles qui mesurent 7 cm de long. Chaque point représente une des chenilles qu'on est en train de mesurer, et le point est placé au-dessus de la longueur qu'on a mesurée. Alors ce genre de représentation, tu le sais, c'est intéressant parce qu'elle montre un petit peu comment sont réparties les longueurs des chenilles. Par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que la partie la plus importante, la longueur qui est la plus fréquemment retrouvée dans, dans cet ensemble de chenilles, c'est celle-ci, on en a, on a quatre chenilles ici, qui mesurent... Alors ici, qu'est-ce que c'est en fait Il faut bien regarder comment est graduée la droite numérique. On a le segment entre 4 et 5 donc ça c'est une unité et ce segment est divisé en quatre parties égales. Ici en fait, c'est le milieu. Donc ça c'est 4,5 et demi ou 4,5. Donc on a en fait quatre chenilles qui mesurent 4,5 cm et c'est ce qu'on appelle le mode de la série, c'est-à-dire c'est la valeur ici la longueur de chenille qu'on rencontre le plus fréquemment. Alors je fais juste une petite parenthèse. Hein. Ici on a dit que c'était le milieu, hein, 4,5 du coup. Et 4,5 c'est 4,5. Hein, parce qu'on part de 4 et ce qu'on ajoute ici c'est cette distance-là qui est la moitié de une unité, donc c'est 1,5. Donc ce nombre-là on pourrait aussi très bien dire que c'est 4 cm et demi ou alors 4 plus demi cm. Alors on peut se poser plein de questions avec ce diagramme à points. La première que je te pose, c'est combien y a-t-il de chenilles dans cet ensemble dont on a mesuré les longueurs Alors mets la vidéo sur pause, réponds à cette question et puis on se retrouve. Donc maintenant on va le faire ensemble et puisque chaque point représente une chenille, on va tout simplement compter les no le nombre de points, et ça nous donnera le nombre de chenilles qu'il y avait dans, dans cette collection de chenilles qu'on a mesurées. Donc j'ai une chenille, deux. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc ici, en tout, on a mesuré 17 chenilles. 17 chenilles. Voilà, ça c'est une question. Je peux t'en proposer d'autres. On pourrait se poser vraiment des tas de questions. Je te propose déjà celle-ci. Combien de chenilles mesurent 5,25 cm alors déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que ce 5,25. Où est-ce qu'on va retrouver 5,25 sur cette droite graduée Donc c'est 5 cm. Ça c'est 5 cm, c'est ici. Et puis ensuite, il faut ajouter 0,25 cm. Alors 0,25 cm, ça c'est un quart de cm. Donc en fait... On nous demande combien de, de chenilles mesurent 5 cm et 1 quart de cm. Alors, on va se mettre ici, on va regarder le segment entre 5 et 6 qui mesure une, une unité. On l'a divisé en 4 parties égales. Et donc, si je pars de 5 et que je prends une de ces parties ici, j'arrive à 5 cm écart. Hein, puisque là, j'ai ajouté 1 quart. Donc, 5 cm et quart, c'est exactement, alors je vais l'écrire ici, ça, c'est 5 cm plus un quart de centimètre. Et donc, c'est ici 5,25, de façon identique de nommer le même nombre. Et donc, on voit qu'il y a une seule chenille qui mesure 5,25 cm. Donc, on a une seule chenille qui a cette longueur-là. Allez, on continue. Je te pose une autre question. Voilà, celle-ci. Combien de chenilles mesurent plus de 6 cm et demi 6 cm et demi. Alors 6 cm, c'est ici. Je vais le faire en bleu cette fois-ci. 6 cm et demi, c'est 6,5 cm. On pourrait l'écrire comme ça. Mais sinon, c'est 6 plus 1,5 de cm. Donc en fait, on va partir de 6 et on va se déplacer de 1,5. Donc 1,5, c'est ici. Hein, puisque ça, c'est le segment entre 6 et 7 qu'on a divisé par 2. Donc voilà. Ici c'est 6,5 6,5. Je vais l'écrire ici comme ça. Voilà. Et alors là on voit qu'il n'y a aucune chenille qui mesure 6,5 cm. Mais attention, c'est pas ce qu'on nous demande. Ici on nous demande combien de chenilles mesurent plus de 6,5 cm et demi. Donc il faut compter toutes les chenilles qui ont une longueur supérieure à 6,5 cm. Alors c'est toutes celles qui sont par ici. Hein. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. On a six chenilles qui mesurent plus de 6,5 cm. Allez, encore une question. Je te propose celle-ci. De combien les chenilles de 9 cm sont-elles plus nombreuses que celles de 5,25 cm Alors c'est un petit peu compliqué comme formulation, mais en gros ça veut dire qu'on va regarder combien il y a de chenilles de 9 cm et demi. 9 cm et demi ça fait 9,5 cm, et puis on va comparer ça au nombre de chenilles qui mesurent 5,25 cm, et ça on a dit que c'était 5 plus 1 quart ou 5 cm et quart. Alors les chenilles de 5,25 cm, on a vu qu'il n'y en avait qu'une, c'était la question qu'on s'était posée au départ. Maintenant, on va regarder les chenilles, on va compter donc les chenilles de 9 cm et demi. 9 cm et demi, c'est ici, exactement au milieu entre 9 et 10. Ici, on a donc deux chenilles, c'est ces deux qui sont là. Et donc il y a deux chenilles qui mesurent 9,5 cm et demi et une seule qui mesure 5,25 cm. Donc on a une chenille de plus qui mesure 9 cm et demi. Donc c'est une chenille de plus. Voilà, c'était juste pour te montrer quelques types de questions auxquelles on peut répondre grâce à ce diagramme à points.